Vampire Knight. Celui-là est pas mal. Et sinon, il y en a un autre, mais que dans un autre registre totalement différent. Enfin, ouais, oui, je dis. Là, c'est plus du Ichi, ce qu'on appelle du Ichi. Donc, le Ichi, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est des mangas un petit peu, entre guillemets, pervers, mais en fait, ça l'est pas réellement. C'est juste que de temps en temps, voilà, on voit une petite culotte passer dans le manga, quoi. C'est un manga de donc post-apocalyptique, donc avec des zombies en fait. Et ça s'appelle High School of the Dead, donc le lycée de la mort en fait. Et celui-là, franchement, il est pas mal. Bon, c'est vrai que parfois on voit passer une petite culotte, des trucs comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vraiment pas mal ce manga. High School of the Dead, je vous le recommande. L'histoire, ben, c'est un truc un petit peu à la Walking Dead en fait. C'est des lycéens qui vivent leur vie tranquillement, puis d'un seul coup, comment, il y a un mec bizarre qui s'attaque à leur grille de lycée sans raison. Le gardien se fait mordre, et puis c'est là que commence toute la contamination de l'humanité. Et donc il y a ce groupe de lycéens qui essaie de survivre un petit peu à la Walking Dead. Donc voilà, donc High School of the Dead, si vous êtes fan de The Walking Dead, c'est un petit peu la version manga. High School of the Dead. Donc c'est ça, hein, c'est The Walking Dead, mais avec voilà quoi, des allusions pervers de temps en temps, quoi. Ça va prendre avec humour. Mais franchement, il me semble que dans ma saison 1 de l'émission Flash, j'avais fait une intro avec justement, c'était pour Tactical Assassin. J'avais mis l'intro de une intro où vous voyez donc un mec couché sur une fille et qui tirait avec une espèce de mitrailleuse, enfin une espèce de fusil. Et ben c'est tiré de High School of the Dead. Donc voilà. Donc vous voyez donc au moment où il tire, donc évidemment ça fait remuer les seins de la fille. Donc évidemment voilà, c'est ce genre de petite scène qu'il y a dans High School of the Dead. Donc voilà. Bon, après il n'y a rien de bien méchant. Voilà, donc ça encore deux mangas, donc hein, Vampire Knight et High School of the Dead. Généralement les mangas comme ça, je les regarde quand j'ai le temps de les regarder, je les regarde deux par deux. Deux séries par deux séries, si elles sont pas trop longues. Il y a une série également que j'avais commencé mais que je n'ai pas eu le temps de finir, enfin de suivre. C'est Anno Exorcist, donc Blue Exorcist, en France. C'est encore un peu à part. C'est l'histoire du fils de Satan en fait, qui veut devenir un exorciste. Sauf que il veut devenir exorciste, mais il a en lui les pouvoirs de Satan en fait. Donc voilà. Donc au départ, il est un peu rejeté par ça. Par le fait en fait qu'il soit le fils du diable. Mais non, c'est intéressant. Franchement, recommandation également pour ce manga. Je vais peut-être le poursuivre là après avoir tourné cette série de vidéos. Ah non, tu recommences pas ton délire. Ok, je peux plus casser le bloc, je sais pas pourquoi.
Et je peux plus en récupérer non plus, visiblement. Hop. Pas le briquet, tant pis. J'ai récupéré ma table de craft hein, là-bas. J'ai un doute. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon manga? Après, sinon, il y a les OAV. Là, récemment, je me suis encore retapé. C'est Final Fantasy Advent Children. Oh, une tuerie, ce film. Enfin, ce film d'animation. Franchement, totale recommandation, encore une fois. Ça a reçu bien l'histoire du jeu vidéo, mais techniquement, les personnages sont super bien réalisés, quoi. Après, alors par contre, il y a d'autres OAV de Final Fantasy VII qui... ouais, c'est ça, c'est de Final Fantasy VII, hein, il me semble. Mais qui était mais vraiment pourri, mais pourri de chez pourri. Il y en avait un, c'était A Way to a Smile. Oh, j'ai cru que j'allais claquer mon PC, quoi. Tellement il était à chier cet OAV. En fait, on retrouve le personnage de le gamin de 10 ans là. J'ai plus son prénom. On s'en fout. Le gamin, ses parents sont morts dans une explosion. Enfin, le gamin a une vie de merde, quoi. Et à la fin, il finit par choper les géostigmates, là, qui sont le cancer, en fait, le cancer de leur époque, quoi. Enfin, de leur planète, quoi. Non, à chier. Franchement, à chier. Et il y en a un autre, j'ai plus le nom de celui-là, mais en fait, c'est le prequel. Là, il y a le... Oh merde, j'ai plus les noms des personnages. C'est Jack et... Oh, le personnage principal, MDJ, qu'est-ce que tu fais? Cloud, voilà, Cloud. Alors lui, il est dans les vapes pendant la moitié de l'OAV. Tu le vois combattre juste à la fin de l'OAV, qui dure que 40 minutes, donc pas assez long en plus. Dans cette OAV-là, pareil, je l'avais trouvé à chier, hein. Je vais le tailler en pièces. Et puis donc voilà, donc déjà il est dans les vapes. Il y a Tifa qui essaye d'affronter Sephiroth. Le combat dure 3 secondes, elle se fait laminer. Donc Tifa qui se fait laminer en un coup de poing. Franchement non. Non, il n'y a pas moyen, quoi. C'est intolérable. Donc voilà, donc il y avait plein de défauts comme ça, ce premier OAV là, qui avait été à chier, mais à chier, pas possible. Donc voilà, sinon, ben, je vois pas trop d'autres choses à dire. Si vous avez bien aimé Final Fantasy Advent Children, il y a un autre, il y a deux autres films qui pourraient bien vous plaire. C'est que je vous dise pas de bêtises. Comment ça s'appelle? Appleseed. Ouais, Appleseed. Donc il y a le Appleseed simple et le Appleseed Ex Machina, qui sont mais des tueries aussi au niveau visuel. Moi je m'étais beaucoup plu sur cette série-là m'avait beaucoup plu. Il y en avait deux. Et pareil, Appleseed, il y a une série qui s'appelle Appleseed 13 qui a été bâclée, qui a été complètement foirée. Il y a 13 épisodes, comme le nom de la série. Et c'est une merde sans nom. Comparé aux deux films, c'est une merde sans nom. C'était fait à l'arrache.
Donc voilà pour les OAV que j'aime bien. Après, sinon, les OAV des mangas dont je vous ai parlé, les OAV de Bleach sont vraiment pas mal. Franchement, il y avait de l'idée dans les Bleach. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Plein de trucs. Là. Donc Appleseed, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon film, enfin comme bon OAV. Alors oui, pour revenir sur Naruto, j'ai pas vu énormément de films de Naruto. J'en ai vu essentiellement un qui m'avait beaucoup plu. C'est, alors j'ai plus le titre. Il y a la lune dans le titre. Donc je sais plus si c'est Naruto et l'île de la lune ou l'enfant de la lune. Je sais plus, mais cet OAV là m'avait pas mal plu. Je l'ai trouvé assez intéressant. Donc de Naruto. Qu'il y a d'autres. Devil May Cry, j'en ai parlé. Après, je sais pas. J'entends un zombie, j'ai peur qu'il me tombe dans le dos. Je me tire d'ici avant de me prendre la lave dans la tronche. Qui a été pas mal également comme série que j'ai suivi. Après, bon bah en dehors des mangas, bah il y a également Doctor Who évidemment, pour parler plutôt de ce qui se fait en Occident. Doctor Who, je suis un gros fan, je suis un très grand fan de David Tennant. C'est un très bon acteur. Moi j'ai regardé. Et oui, il y a quand même un petit bout de temps là, Broadchurch, avec David Tennant. J'ai comment une collègue là, ma mère qui l'a regardé, on en a parlé ensemble. Il y a également des fans de Broadchurch, résultat. Et là, il y a un film qu'il faut absolument que je voie encore avec David Tennant, c'est L'Espion de Varsovie. Et j'ai regardé le début de L'Espion de Varsovie. Waouh quoi, c'est aussi énorme ce film. Alors, mis à part que David Tennant a une coupe ridicule dans ce film, c'est un putain de film. Faut savoir que moi, j'aime bien l'histoire. J'ai eu 17 à mon bac d'histoire. Surtout tout ce qui est Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. L'histoire de France. L'histoire de France, je suis fan, hein, tout ce qui est l'époque des rois. Enfin fan, je suis pas fan, mais je suis très très intéressé par ces époques-là. Même si bon, je vous dis, hein, je suis beaucoup plus matheux que littéraire. L'histoire me plaisait bien à l'école. Et donc ce film-là, donc L'Espion de Varsovie, justement, ça se passe donc à Varsovie. Donc c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc puis les espions à Varsovie, ben voient voilà qu'il y a des mouvements, allemands aux différentes frontières. Ils sentent bien qu'il se passe quelque chose, mais ils n'arrivent pas à déterminer quoi.
Et en fait, c'est la guerre qui se prépare partout en Europe, quoi. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. C'est énorme ce film. Tiens, il y a une calèche qui passe dans la rue. Les joies de la campagne. Voilà, que dire de plus? Donc l'Espion de Varsovie, faut que je termine ce film. Ce film, alors il est très long le film, je vous préviens, l'Espion de Varsovie, si vous voulez le regarder, je crois qu'il dure plus de 3 heures. C'est pour ça, moi au départ, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder ça un soir tranquillement. Puis bon, quand j'ai vu, quand arrivé à la moitié du film, je fais, bah, putain, et ça se finit quand? Puis j'ai vu que j'étais qu'à la moitié du film, je fais, bon. On regardera la suite prochainement. Mais ouais, faut prendre 3 heures. Voilà. Faut vraiment. Les derniers films de 3 heures que j'ai regardé, sinon, bah évidemment, je me suis retapé il n'y a pas longtemps, c'est Le Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux. L'autre trilogie, c'est le Parrain également. J'ai revu le Parrain, le 1, le 2 et le 3. Le Parrain 1, c'est un méga film, franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Dans le genre, il y en a qui préfèrent. Comment ça s'appelle? Scarface. J'ai préféré 100 fois le Parrain à Scarface, sérieusement. Scarface, non, je l'ai trouvé ridicule comparé à... J'ai trouvé ridicule comparé à au Parrain. Mais voilà. Après, ça reste des excellents films. Scarface. Ouais, Scarface, non, je sais pas. Je suis pas. J'ai pas adhéré vraiment à Scarface. Mais oui, le Parrain, j'avais adhéré. Enfin, voilà. Déjà plus de bois, vous vous rendez compte. Le bois, ça part, mais à une vitesse hallucinante. Et tout ça, parce que tout ça, j'ai toujours pas récupéré assez de diamants, toujours pas assez de fer. Puis il va falloir que je retourne. Falloir que je retourne faire les enchantements qui me manquent. J'ai 24 niveaux à force de miner. On va aller s'enchanter des bouquins rapidement avant de retourner. Avant de retourner miner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film excellent? Ouais, sinon j'avais dévié sur la musique, hein, il me semble, arrivé un moment. Moi je vous ai dit rock, rock hard rock metal. Je vous ai dit j'écoute pas mal de Papa Roach en ce moment et de Breaking Benjamin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'écoute pas mal? Mal de trucs. Après, je parlais avec un ami récemment, c'était de Rob Zombie. Alors Rob Zombie, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui qui a un peu posé les bases de l'électro-rock, entre autres. Rob Zombie, à la base, c'est aussi un réalisateur
de films d'horreur, mais ses musiques ont eu plus de succès que ses films d'horreur. Ses films d'horreur étaient pas terribles en fait. Parmi ses films d'horreur. Et par contre, dans les titres de ses musiques, on retrouve les titres en fait de ses films d'horreur, comme par exemple La Maison des Mille Corps. Je crois que Living Dead Girl fait référence à un de ses films. Il y a également une musique qui s'appelle Dracula, donc je suis sûr qu'il a voulu faire un remake de Dracula et je suis sûr qu'on lui a refusé sa licence, mais qu'il a quand même sorti la musique ou une connerie dans le genre. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais voilà, à la base Rob Zombie c'est un réalisateur de films d'horreur. Alors je ne suis pas du tout film d'horreur, j'ai horreur des films d'horreur. Ça, c'est le cas de le dire justement, je l'ai même pas fait exprès. Et non, j'aime pas du tout les films d'horreur. Mais voilà, il y a quelques films entre guillemets d'effroi qui m'ont bien plu. Quand j'étais pas quand oui, qui me plaisait bien, c'était. Alors il y avait comment ça s'appelle? Alors c'est essentiellement les films de Stephen King. Je suis assez fan des adaptations des livres de Stephen King. Et il y en a un. Alors ma mère a horreur de ce film, mais moi personnellement je l'adore. C'est La Tempête du siècle, notamment. J'ai oublié mes livres. La Tempête du siècle, c'est un excellent film. Pour vous raconter rapidement, c'est un démon. Enfin, il y a une tempête en fait sur une île perdue au milieu de tout. Et donc, eh ben, elle se retrouve coupée de tout en fait. Hein. C'est la tempête, donc l'île doit faire face toute seule. Doit faire face toute seule en fait. Et en fait, il y a un démon qui arrive donc sur l'île. Et en fait, l'objectif et ce que veut en fait ce démon, en fait, c'est un héritier, en fait, c'est un fils quelque part. Hein. Et donc, il veut un des enfants de l'île. Mais ça, en fait, on le sait dans la seconde partie. C'est un film qui est en deux parties. Voilà, donc bon, je spoil peut-être un petit peu, mais voilà, en fait, il vient pour ça. Et donc, au départ, les villageois, évidemment, ne savent pas pourquoi il est là, ils savent pas, ils comprennent pas non plus que c'est un démon au départ. Donc, il commence à se passer des choses étranges dans l'île, il y a des meurtres, il y a. Enfin voilà quoi, c'est une boucherie hein, quelque part, il y a pas mal de boucheries. Alors on voit pas grand-chose, on voit pas réellement de sang, on voit pas de mort, on voit pas. C'est de l'effroi en fait, donc c'est pas de l'horreur. Et c'est ça qui me plaît plus, parce que l'horreur, voilà quoi. Mais voilà, mais celui-là, franchement, La Tempête du siècle, adapté de Stephen King. Donc je crois qu'il est sorti en 99 ou en 98 ce film. Je crois 99. Alors la recommandation totale, c'est un film génial. Que moi j'avais beaucoup aimé. Il y a ça, il y a également le Dreamcatcher, donc qui est adapté également de Stephen King. Mais ça c'est si vraiment vous aimez les films d'effroi, d'horreur d'effroi quoi. Ça reste assez particulier comme film, mais personnellement, moi, voilà, j'aime bien celui-là. Et le dernier qui a adapté des romans de Stephen King, c'est une série, c'est pas un film, c'est une série. C'est le Kingdom Hospital. C'est passé sur M6 il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et ça, c'était absolument génial, le Kingdom Hospital.
comment vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce film. C'est un hôpital hanté, en fait. L'hôpital a été fondé sur une... je sais plus, sur une... sur un truc où travaillaient des enfants, en fait, et les enfants sont tous morts d'un incendie. Et en fait, et ben les et puis résultat, le Kingdom Hospital donc est hanté. Et voilà quoi. Donc il y a une médium qui essaye de résoudre donc le problème, hein, donc entre guillemets. Mais c'est tout quoi. Ben c'est assez sympa à voir, le Kingdom Hospital. Âme sensible, s'abstenir quand même. Hein. Au bout d'un moment, il y a un cadavre décapité qui se balade dans les couloirs. si vous êtes assez jeune, vous risquez de faire des cauchemars. Je vous le dis. Donc, déconseillez aux âmes sensibles quand même. Il en va de même pour La Tempête du siècle ou le Dreamcatcher. Personnellement, le Dreamcatcher, moi, j'ai essayé de le revoir il y a peu de temps. Je sais pas pourquoi, l'apparition de l'extraterrestre, j'ai dû quitter la vidéo tellement je tremblais. Donc c'est pour vous dire, j'aime pas du tout les films d'horreur, hein, les films d'effroi, tout ça, j'aime pas du tout, je vous le dis tout de suite. Mais sinon, ça reste de très bons films. Donc voilà. Que dire de plus? Il y en a plein des films dans le genre. J'ai fait beaucoup de pioches là, mais au moins j'en ai pour longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, franchement, déjà, avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez de quoi visionner. Hein. Vous en avez facilement pour... Désolé pour la mobylette qui vient de passer dans la rue. Putain, ces scooters-là. Je comprends pas les scooters, franchement. Ça fait plus de bruit que ça avance, ces trucs-là. Si j'avais été au bout de ce truc là. Non. Voilà. Donc oui, donc je disais, avec ce que je viens de vous donner comme film, vous en avez pour votre week-end, le week-end qui suit, de visionnage. Hein. Franchement, et que du bonheur. Le dernier film d'horreur que j'ai eu le malheur d'aller voir, un vrai film d'horreur, hein, c'est mon ami Tristan et avec un autre ami Raphaël, que vous connaissez pas parce que j'ai jamais tourné de vidéo avec lui. Et ça l'intéresse pas de tourner des vidéos. Donc avec Tristan et avec TB Killer donc et Raphaël. Le film d'horreur qu'on a été voir, c'est Destination Finale. Ça devait être le 5, si je dis pas de bêtises. Et je suis sorti de la salle, je me sentais vraiment pas bien. J'ai horreur de ce genre de film. Je comprends même pas comment ça peut avoir du succès, ce genre de film. Enfin, après, c'est moi qui adhère pas au genre, hein, certainement. Hein. Mais sinon, non... d'horreur, les voir des mecs se faire charcuter, non, c'est vraiment pas mon truc quoi. Ah
Après, pareil, on m'a filé à regarder c'est les Fast and Furious, j'ai pas eu le temps de les regarder. Et puis, je sais pas si ça va vraiment m'intéresser. Oh tiens, on a parlé d'un film par contre récemment avec avec un mec avec qui je travaille. C'est Sin City avec Bruce Willis. Ah, ce film aussi. Alors, il est très sanglant. Alors, si vous connaissez pas Sin City, à la base Sin City c'est une bande dessinée. Enfin, c'est un comics. Donc une bande dessinée, ouais. Tout en noir et blanc et il n'y a que le sang qui est coloré en fait. Alors dans le BD c'est comme ça et dans le film ils ont repris le style. C'est-à-dire que dans le film il n'y a que le sang qui est visible, le reste est en noir et blanc. Mais pff, voilà quoi c'est. Puis il y a des répliques cultes dans ce film et c'est incroyable. Je sais pas comment. Entre Bruce Willis qui dit opérer en silence et démolir comment opérer en silence et démolir rapidement.